Bonjour et bienvenue, je m'appelle Christelle Mechler et j'ai l'honneur d'animer la conversation d'aujourd'hui. Au nom d'Ontario Créatif, je suis ravie de vous accueillir à cet événement en direct. Ontario Créatif joue un rôle de premier plan en matière de soutien de l'économie créative de l'Ontario en offrant des programmes et des services novateurs pour aider les industries de la création à se développer et à créer des contenus primés et innovants. Ontario Créatif travaille avec de nombreux créateurs talentueux dans les secteurs de la diffusion de contenu sur écran, de la musique et de l'édition en Ontario. Et aujourd'hui, c'est le secteur de l'édition et plus particulièrement le prix littéraire Trillium qui nous réunit toutes et tous. Les lauréats de cette année s'ajoutent à la longue liste d'auteurs ontariens talentueux dont le travail a été honoré ici et dans le monde entier. Chaque année, le prix littéraire Trillium nous donne l'occasion de mettre en lumière l'excellence littéraire d'ici. Et alors que nous célébrons ces talents, cela nous permet de réfléchir aussi au pouvoir du conte. Nous reconnaissons que cette terre sur laquelle nous nous trouvons, elle est riche d'une histoire. Et en fait, elle est riche d'une myriade d'histoires qui sont racontées depuis de nombreuses années. Et tout cela produit une littérature importante et créative qui émerge aujourd'hui. Je me trouve actuellement sur le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont celui des Huron-Wendat, des Anishinaabe et des Haudenosaunee, et où vivent aujourd'hui de nombreux membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Et nous sommes très reconnaissants de pouvoir nous réunir, créer et partager sur cette terre. Alors, en direct de l'Ontario, j'aimerais également souhaiter la bienvenue aux téléspectateurs du monde entier, notamment ceux d'Allemagne et de France. En 2021, le Canada est le pays invité d'honneur à la Foire du Livre de Francfort, donc ça mérite un petit mot de bienvenue en allemand. Da Kanada dieses Jahr Ehrengast der Frankfurter Buchmesse ist, möchte ich ganz herzlich alle Zuschauer aus Deutschland willkommen heißen. Je vous invite d'ailleurs à en apprendre davantage sur la délégation d'auteurs et d'illustrateurs à la Foire du Livre de Francfort et à découvrir les différents événements virtuels sur le site canadafbm2021.com. Le thème du Canada, à cette heure du livre, est singulier pluriel. Et ce thème reflète la culture de la diversité, où nous sommes toutes et tous uniques, mais aussi reliés les uns aux autres, à la fois par nos différences et nos valeurs communes. Et ce thème trouve un écho particulier dans les œuvres des auteurs ayant remporté le prix Trillium cette année. Cette année, le lauréat du prix du livre d'enfants Trillium est Éric Mathieu, pour son roman jeunesse, Capitaine Boudu et les enfants de la Cédille, publié aux éditions L'Interligne. Alors, bienvenue Éric, nous sommes heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Bonjour. Et puis, en ce qui concerne Danielle Vallée, elle est la lauréate du prix littéraire Trillium de cette année pour son roman « Cette nuit dans la vie de chérie » publié aux éditions David. Bonjour Danielle, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Alors, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les lire, ces deux livres-là, nous allons mettre dans la fenêtre de clavardage les liens à partir desquels vous pourrez acheter ces deux livres. Je vous les remets ici à l'écran. Nous espérons également que vous prendrez part à la conversation avec les auteurs aujourd'hui. Et pour ça, c'est très simple. Il vous suffit de nous soumettre vos questions en utilisant le mot-clic hashtag ONCréatif. Et notre équipe chargée des médias sociaux me transmettra les questions et on y répondra dans la mesure du possible un peu plus tard dans la conversation. Maintenant, il est temps de laisser la parole aux lauréats, Danielle et Éric. Tout d'abord, félicitations à tous les deux. Dites-moi, quelle a été votre toute première réaction, vos premiers mots, lorsque vous avez appris que vous étiez les lauréats pour cette année? Ben, si je peux me permettre, moi, je ne m'attendais pas à gagner parce que j'ai été finaliste 4 fois au prix Trillium et je ne l'avais pas gagné encore, donc je m'attendais à pas encore gagner. Et quand j'ai entendu le nom... Quand elle a dit la récipiendaire, la lauréate, l'animatrice, quand elle a dit la lauréate, j'ai dit, bon, on vient d'éliminer les 3 gars. Fait qu'il y a 2 filles. Et puis, j'étais tellement contente quand elle a dit mon nom. Je me suis levée, j'ai pleuré, je me suis jetée dans les bras de mon amoureux. On a pleuré ensemble, sans parapluie, on était tout mouillés, mais c'était merveilleux, vraiment, là, vraiment merveilleux. Un grand moment, un grand moment. Et vous, oui. Vous Éric, quelle était votre première réaction? La même chose, très surpris en fait, parce que j'ai été finaliste il y a 5 ans pour mon premier roman, Les Suicidés d'Eau Claire,
Puis je suis souvent finaliste, mais je ne gagne pas souvent, ce qui est tout à fait OK. C'est génial déjà d'être finaliste. Mais donc, j'étais vraiment surpris. Puis la cérémonie était assez courte parce que là, cette année, vraiment, c'est spécial, on est en ligne. Et je me souviens d'une cérémonie beaucoup plus longue. Donc, en fait, je ne m'y attendais pas que ça soit annoncé si rapidement. J'ai été pris de court. Et donc, je n'ai pas eu le temps d'angoisser, de paniquer. Mon nom est arrivé et ça a été vraiment un coup de fouet. Et j'étais vraiment super content. Je suis très, très heureux et très honoré aussi par ce prix que je reçois cette année. Alors, pas de larmes de votre côté, parce qu'on t'alors, on parlait de pleurer sans parler. Non, je pense que j'étais trop choqué. J'étais sous le choc, comme un accident de voiture. J'étais... pas tout à fait là. Je pense que je ne suis pas encore tout à fait conscient de ce qui est arrivé. Peut-être je pleurerai la semaine prochaine. Ça. Alors, qu'est-ce que ce prix représente pour vous personnellement et aussi pour votre carrière? Daniel, tu veux... Ben, personnellement, c'est flatteur. Parce que quand on écrit, on est seul. On est en avant de notre ordinateur, puis on est tout seul, puis on se concentre. Puis quand le livre paraît enfin, on est heureux, il y a un lancement d'habitude en personne. On embrasse des gens, chose qu'on a perdu l'habitude de ça. On se serre la main, puis... Mais on est encore seul parce que les gens, les lecteurs vont aller acheter le livre et ils vont le lire seuls. Et on n'aura pas souvent de retour des lecteurs. On en a plus cette année, je trouve, à cause des médias sociaux. Là, les gens vont plus facilement communiquer avec vous pour vous donner leurs impressions si on aime le livre. Mais c'est valorisant. Ça nous sort de notre solitude, ça nous met en évidence un peu, puis ça fait du bien. À l'ego. Et vous, Eric? Oui, même chose. En fait, Daniel a raison. Je pense que quand on écrit, et même si on a plusieurs romans derrière soi, on est toujours un petit peu, on doute un petit peu de son talent. Si on en a, on essaye de faire mieux à chaque fois. Et on pense au début que peut-être en écrivant plusieurs livres, ça sera plus facile, mais c'est jamais plus facile. Alors, on doute beaucoup. Donc, ça, c'est très encourageant d'avoir un prix. Et les écrivains qui disent que, bon, c'est pas important, les prix, il faut pas les croire, c'est pas vrai, c'est très, très important. Ça donne vraiment un boost. Moi, ça m'encourage beaucoup à continuer à écrire. Et donc, ça a vraiment un effet fantastique sur la personne qui écrit. Au-delà de toutes les espérances, c'est vraiment quelque chose que je recommande à tout le monde de gagner un prix comme ça. Mais ça, c'est très bon à savoir. Tout à l'heure, vous parliez justement du fait d'être seul quand on écrit. Et bien, moi, j'aimerais revenir sur le côté la naissance de l'idée, parce que tout ça, c'est effectivement très, très solitaire comme processus. Daniel, vous avez dit que l'idée vous est venue en assistant à un vernissage de Susan Demers. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez vu ce vernissage et qui vous a donné tellement envie d'écrire cette histoire? C'était quoi ce déclic? J'ai souvent travaillé avec des artistes visuels. Sur 10 livres, il y en a 7, je pense, avec qui j'ai travaillé. Alors, ces artistes-là, c'était une habitude pour moi, puis ça me donnait un peu de discipline parce que je suis indisciplinée. Quand je me mets à l'ordinateur et je commence à écrire, je trouve toujours une raison de m'enfuir, aller faire une brassée de lavage, aller nourrir le chat, aller flatter le chien. J'ai toujours... Puis là, quand je travaille avec quelqu'un, quand j'ai une collaboratrice ou un collaborateur, bien là, par respect de la personne, je me discipline beaucoup. Et quand j'avais déjà fait un livre auparavant avec Susan Demers qui s'appelait « Sous la jupe », puis elle avait une exposition à la galerie ici, à une galerie d'art d'Ottawa. Et puis, elle m'avait invitée à aller voir son exposition. Je ne la connaissais pas beaucoup. Puis, elle m'avait dit « Est-ce que tu aimerais écrire sur ces tableaux-là? » C'était des grands tableaux là, de 3 pieds par 6 pieds. Je m'excuse, moi, je ne suis pas très métrique. Et puis... quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est un beau défi, ça, parce que c'était des tableaux représentant la plupart des femmes. Et j'ai commencé avec elle, on a fait Sous la jupe, on a été finaliste d'ailleurs au prix Trillium pour ce livre-là. Puis après ça, j'ai écrit un autre roman, mais je n'avais pas l'intention de retravailler avec Susan. Généralement, je travaille avec une personne une fois, puis c'est comme ça. Puis là, je suis allée voir son exposition, c'était en octobre 2018, je pense. Et puis. J'ai trouvé ça très beau, ce qu'elle avait fait. Puis le lendemain, pour m'amuser, j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais bien écrire? J'ai choisi un tableau au hasard sur son site Internet. J'ai commencé, ça a donné une espèce d'intrigue assez forte. J'ai dit,
je vais envoyer ça à Susan. Je lui ai envoyé. J'ai dit, qu'est-ce que tu penses de ça, Susan? Elle dit, continue, il faut que je sache la finale de cette intrigue-là. Puis moi aussi, je voulais la savoir parce que je n'ai pas eu le choix, je l'ai écrit. D'accord. Et vous, Éric, racontez-moi comment tout est né, parce que c'est aussi votre premier roman jeunesse. Oui, moi j'avais une volonté en fait d'écrire un roman jeunesse parce que dans mon travail d'écrivain, j'aime travailler sur des registres différents. Donc c'était pour moi presque un exercice de style. Donc comme j'aime tellement écrire, j'essaye de m'aventurer dans des choses un petit peu inconnues. Donc c'était vraiment un défi pour moi. Donc j'avais d'abord cette volonté conceptuelle, on peut dire. Puis après, je laisse un peu travailler mon cerveau. Donc il s'est passé plusieurs semaines et une nuit, j'ai fait un rêve et j'ai rêvé justement de cette station spatiale avec des enfants qui étaient là. On savait pas trop pourquoi dans le rêve, mais il y avait un peu tout le décor du début du roman. Et moi, quand j'écris, je me laisse beaucoup porter par les rêves ou parfois les cauchemars aussi. Ça me donne beaucoup d'idées parce que je laisse beaucoup travailler mon subconscient quand j'écris. Alors, quand je révise, il y a mon ego qui est là, qui essaye de corriger, etc. Mais je me laisse aller beaucoup. Et souvent, je travaille très tôt le matin quand je suis à peu près à moitié endormi. Et c'est là où je me souviens de mes rêves et je puise dans ça pour en faire un roman. Donc, effectivement, c'était un rêve au départ. Après, je me suis rendu compte que le rêve faisait très Ray Bradbury, l'auteur un peu jeunesse, science-fiction. Donc, c'est peut-être une histoire comme ça que j'ai déjà lue. Pareil, le subconscient travaille. Et c'est en fait comme ça que c'est né. Et puis après, pour revenir à la volonté théorique que j'avais, je voulais vraiment populariser la linguistique. C'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Parce que les enfants connaissent mal la linguistique, ça ne s'apprend pas à l'école. Donc, je voulais faire quelque chose comme ça depuis longtemps. Donc, c'était à la fois conceptuel et puis plus imaginaire comme source du livre. Mais en fait, ce que je remarque tous les deux, c'est que il y avait une volonté de votre côté, Éric, Daniel, vous avez vu ce tableau, puis vous avez dit « qu'est-ce que je pourrais bien écrire ?» Mais j'imagine que vous êtes des créateurs, donc vous avez toujours une myriade d'idées, que ce soit que ça vienne des rêves ou que ça vienne d'autres sources d'inspiration. Mais comment est-ce qu'on sait que c'est une idée qui est bonne à poursuivre, que c'est une idée qu'on va approfondir et qui va devenir un roman ? Mais moi, je pense que dans mon cas, c'est on dirait que c'est les personnages qui s'emparent de moi puis qui m'emmènent dans leur monde, dans leur folie parfois, dans leur peine, dans leur joie. C'est comme ça que je me laisse porter. J'ai pas l'impression de créer. J'aide l'histoire à se poursuivre, mais ça, c'est vraiment les personnages qui m'entraînent, moi. C'est comme ça. Éric, et vous? Oui, moi, en fait, je suis bombardé d'idées constamment. Donc, en fait, la difficulté pour moi, c'est de faire le tri, de faire un choix. Et parfois, il m'arrive d'aller vers quelque chose qui ne fonctionne pas du tout parce que j'y arrive pas, ou je me relis puis je me rends compte que ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai beaucoup de projets abandonnés. Donc, c'est un peu mystérieux comment un projet arrive à évoluer et puis arriver à bout, on peut dire. Alors, ce que j'ai remarqué au fil des années, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, je laisse mon subconscient travailler, puis après, je reviens peut-être quelques jours après, puis là, je relis, puis je me dis, c'est pas trop mal. Donc là, je révise, donc j'adore réviser, en fait, reprendre, et c'est là où peut-être un projet, parce qu'il me parle plus au niveau, je dirais, émotionnel, un peu comme Daniel disait, les personnages, ou peut-être le thème qui me parle personnellement, moi, dans ma vie, de ce que j'ai vécu, là, j'aime travailler là-dessus, et c'est plus facile, après, de puiser aussi dans la vie réelle pour inventer des scènes. Alors, les scènes, je les écris un petit peu avec donc mon subconscient, puis après, je reviens avec mon côté plus conscient, et là, je révise. Alors, tous les deux, vous avez vraiment des genres différents, mais ça se joue dans des univers qui sont extrêmement riches. Et on peut aussi se poser la question, Daniel, tout à l'heure, vous disiez que vous vous laissez porter par les personnages. Éric, ça venait d'un rêve, donc peut-être que c'est plus le monde, l'univers. Par quoi est-ce que vous avez vraiment commencé cette fois-ci pour ces romans particuliers? Est-ce que vous avez commencé plus par les personnages ou par l'univers dans le processus de création? Dans mon cas, moi, j'avais les personnages, donc... Parce que quand je suis allée voir l'exposition de Susan Demers, j'ai bien vu tout de suite que c'est elle qui avait inventé les costumes qu'ils avaient fabriqués. Alors, ce sont deux femmes, en fait, une comédienne qui porte 7 costumes et la couturière qui en porte un, qui est celui de la couverture.
Donc, moi, j'étais un peu aux prises avec les costumes de la comédienne parce qu'elle avait un costume différent à chaque étape. Puis, ce qu'il y avait de mystérieux, c'était très aérien, c'était très sulfureux, je dirais. Puis, les femmes, la comédienne elle-même, on ne voit jamais son visage au complet. Ou bien elle a la main devant elle, ou c'est les cheveux qui tombent dans le visage. Elle a toujours un visage un peu caché. Donc, ça m'ouvrait des portes, ça aussi, parce qu'il y avait un secret derrière tout ça. Puis c'est ce secret-là que j'ai finalement réussi à décortiquer, puis amener l'histoire. Puis ce que j'aime, parce que j'aime ça penser que c'est un thriller psychologique. Je me prends pour Agatha Christie, je pense. Ben, en tout cas, et puis à la fin, ben, il y a vraiment une belle tombée. Tout est révélé à la fin parce que je veux entraîner je veux entraîner le lecteur dans des routes impossibles, mais quand même qui. Je veux le perdre dans le roman. Je veux qu'il pense que ça va finir comme si, il va arriver ça. Alors, je l'envoie sur des fausses pistes tout le temps, mais c'est toujours un peu crédible. Donc, je pense que quand il arrive à la fin et qu'il découvre la finale, ça peut être une pas mal grosse surprise. Ça l'a été pour moi quand je l'ai découvert moi-même, là, quand je l'ai inventé. C'est fou, mais c'est comme ça que ça. J'ai été vraiment envahie par les personnages, les costumes. D'accord, donc les personnages, puis j'ai beaucoup aimé quand vous avez dit justement que vous êtes vous-même surprise par la finale. Eric, vous, qu'est-ce que vous avez, vous aviez donc cet univers qui venait du monde du rêve. Est-ce que pour vous, les personnages sont venus après ou est-ce que ça a été un processus en parallèle? En fait, dans le rêve, il y avait ces enfants-là. Donc après, j'ai décidé, je ne savais pas combien il y en avait dans le rêve, c'était très flou. Et donc, il a fallu que je décide d'un chiffre. Donc, j'ai décidé de 5 avec un personnage principal, Félix, avec peut-être l'idée que ça serait peut-être une série, puis on continuerait par la suite avec d'autres enfants qui auraient des aventures un petit peu comme Félix. Mais bon, j'ai commencé avec Félix. Et puis, il y avait aussi le personnage du capitaine Boudu avec son accordéon. Donc, c'était un peu une vision que j'ai eue après de lui. Donc, en fait, la première scène, c'est un peu le rêve, finalement, avec la station spatiale, le décor. Et puis, tout de suite, ce qui déclenche l'aventure, l'arrivée d'un individu, d'un extraterrestre qui va emmener Félix et le capitaine Boudu sur une autre planète. Puis là, ça, si vous voulez, enclencher l'aventure. Et puis, au fur et à mesure, il a fallu donc créer des scènes assez courtes, beaucoup de dialogues, et puis me concentrer aussi sur des nouveaux mots parce que je voulais introduire des concepts assez simples de linguistique, des choses faciles à comprendre. Donc, il a fallu travailler là-dessus. Et puis, Félix, il avait la particularité par rapport aux autres enfants de ne pas avoir de talent. En tout cas, lui croit ne pas avoir de talent. Et je voulais aussi travailler sur ce thème-là, l'importance des arts, de la création, de la littérature, du dessin chez les enfants. Et on se rend compte que Félix, finalement, au fil et à mesure de l'aventure, non seulement il devient un peu un linguiste en herbe, et il devient écrivain aussi, et il se découvre un talent par le biais des aventures dans le livre. Mais justement, vous parliez de tous ces mots et tous ces termes que vous avez créés. Moi, j'ai trouvé que c'était très, très intéressant. Comment est-ce que ça se déroule, la création de tous ces termes, de ce glossaire? À la lecture, on a l'impression que c'était très amusant, mais j'imagine qu'il y a un processus qui doit être très complexe en arrière de ça. Oui, mais en même temps, très amusant, très ludique. Il faut s'amuser, composer des mots. Bon, en tant que linguiste, j'aime beaucoup la morphologie, c'est-à-dire la forme des mots, comment on peut créer des mots nouveaux. Puis quand on lit la presse, par exemple, surtout en anglais, peut-être plus qu'en français, mais on crée des mots nouveaux tous les jours. Donc, j'aime bien m'amuser avec ça. Donc, c'était assez facile finalement, assez ludique pour moi. Puis je voulais m'amuser avec ça, que ça soit drôle et inciter aussi l'enfant à jouer avec le langage. D'ailleurs, les enfants le font naturellement. Peut-être au lieu de leur dire « non, 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 ça, c'est pas correct, c'est pas grammatical ou c'est pas un mot qui est dans le dictionnaire ». Non, essaye d'être créatif. C'était ça un petit peu que j'essayais d'encourager. Mais si on reprend justement l'univers des mots, puisque Daniel, le champ lexical du textile, de la couture, il est vraiment indissociable à l'univers que vous avez créé dans ce livre-là, et vous clôturez chaque chapitre par de belles mais très courtes descriptions imagées de tissus qui vont résumer parfaitement le chapitre. Alors, votre relation avec le monde de la couture avant d'écrire le livre, et quelle recherche est-ce que vous avez faite? Combien de tissus est-ce que vous avez touché? Quelle a été votre relation avec ça dans le processus de création de ce livre d'écriture?
J'ai aucun talent de couturière, je dois vous préciser ça. Mais la recherche est facile à faire sur Internet. Mais j'aimais beaucoup quand j'ai fait la recherche sur les mots, sur les tissus, sur les différents tissus, il y en avait tellement, là. Puis parfois, c'était des beaux mots, des mots qui faisaient image. Alors, j'en ai fait une grande série, j'ai les nomenclatures dès le début, puis je trouvais ça beau. Puis ensuite, c'est là que j'ai dit, ah, peut-être que je pourrais les mettre à la fin de chaque chapitre, puis que ça donnerait le ton. Donc, j'ai pris des tissus plus rugueux, les chapitres où c'était plus triste, puis des tissus plus légers quand tout allait bien. Puis ces deux femmes, l'histoire de ces deux femmes-là, la couturière et la comédienne, c'est deux personnalités complètement opposées. La comédienne, c'est une espèce de une tête folle, un peu, je dirais. Mais la couturière, c'est une femme très simple, une petite vie bien ordinaire, excellente couturière par ailleurs. Mais ces deux femmes-là se sont liées d'amitié. Ça a fait une drôle d'amitié parce que la couturière craignait beaucoup la comédienne qui était effrontée vraiment, puis fantasque. Mais elle l'aimait tellement qu'il y a eu une fusion quand même entre les deux, une amitié qu'elle a... C'est vraiment une histoire d'amitié entre deux femmes, une amitié dangereuse, une amitié toxique même, je dirais. Puis je pense que les tissus, ils ont joué pour beaucoup là-dedans. Puis je me suis fiée sur les costumes que Susan avait créés pour cette comédienne-là. Alors, c'est bien que vous terminiez sur cette note justement de tissu, parce que j'aimerais revenir au côté un peu visuel. Déjà, l'univers que vous avez créé tous les deux est très, très visuel. Et c'est rempli aussi de vos passions. On y retrouve le monde du théâtre, des arts de la scène dans votre livre, Daniel. On retrouve votre amour de la linguistique dans le vôtre, Eric. Et quelles sont les joies et les défis, peut-être aussi même, d'incorporer vos propres passions au sein de vos livres? Moi, quand j'ai commencé à écrire, j'étais à l'université, j'ai commencé par écrire du théâtre. J'ai écrit 4 pièces de théâtre qui ont été jouées. J'ai joué aussi dans les pièces. Après ça, j'ai laissé le théâtre, mais j'ai continué à aller voir du théâtre. Et là, je me suis mise à écrire. Puis, ça me manquait, le théâtre. Et puis, avec mes 10 livres, j'ai souvent pris des textes. Et je les ai montés en spectacle, des spectacles d'une heure et demie. J'ai pris, souvent, c'était des recueils de nouvelles que j'avais écrits. Donc, je prenais la nouvelle et je la liais à une autre. Et après ça, on montait ça avec mon mari, Jean Cloutier, qui est musicien, qui est saxophoniste. On a monté des spectacles, on a présenté, je sais pas, plus de 200 là, partout au Canada. Puis, fait que j'avais toujours ce petit goût de théâtre. Puis, ce livre-là, justement, Cette nuit dans la vie de chérie, je rêve encore d'en faire une pièce de théâtre. J'aimerais ça que ce soit joué. Il me semble que ça a l'âme pour ça. Ça a le cœur au théâtre. Puis, je me dis, ben, peut-être qu'un jour, quelqu'un va vouloir la monter. Je dis ça comme ça. Et Eric et vous, parce que vous êtes, c'est clair que vous êtes professeur de linguistique, vous aimez la linguistique, vous aviez cette volonté aussi de le faire. Mais j'imagine qu'entre la volonté et la réalisation, il doit aussi y avoir des défis. Oui, en fait, là, c'était spécial comme projet parce que je voulais parler de la linguistique directement. Souvent, la linguistique, elle se retrouve dans mon travail de manière plus indirecte, un petit peu plus subtile, parce que quand j'écris, je m'intéresse beaucoup à raconter des histoires qui intéressent le lecteur, mais qui travaille aussi sur le style. Alors, je suis quand même très porté sur le côté formaliste aussi, un petit peu des romans, de l'écriture. Je joue beaucoup avec ça. Ça, c'est mon côté linguiste. Donc, ça ne parle pas forcément de linguistique, mais autrement. Mais on retrouve cet amour du langage, du jeu aussi avec le langage, parce que j'aime jouer avec les registres différents, etc., à l'intérieur d'un roman, avoir beaucoup de dialogues comme une pièce de théâtre. Dans mon prochain roman, il y a carrément au milieu du roman l'index d'une fausse biographie, en fait, de l'auteur dont on parle dans le livre. Donc, c'est vraiment un jeu ludique. Et puis aussi, mes livres parlent souvent aussi de l'écriture, de la création, de ce désir de créer. Ça a toujours été quelque chose
qui était important pour moi parce que j'ai mis longtemps, à, si vous voulez, à le faire, en fait. Mmh. Et donc, par exemple, Félix, typiquement, dans le roman, lui, il veut faire quelque chose, il se découvre ce talent d'écrivain, et on retrouve un peu ce thème-là dans les autres livres. Donc, je dirais la littérature, oui, et une espèce de formalisme par rapport à la langue aussi qu'on retrouve un petit peu partout dans mes romans. Alors, vous parliez là, à l'instant, Eric, de Félix, de ce personnage-là. Daniel, tout à l'heure, vous avez évoqué aussi vos personnages. Est-ce qu'il y a... Quelle est votre relation à ces personnages? Est-ce qu'il y en a peut-être certains qui vous ressemblent un peu plus? Je ne sais pas, je pensais à Félix, par exemple, et vous, Eric, ou Daniel, peut-être avec Clarisse, la couturière. Est-ce que vous pouvez me parler de votre relation avec les personnages que vous avez créés? Moi, je... C'est drôle que vous me disiez ça parce que c'est vraiment Clarisse. Je trouve que c'est un personnage qui me ressemble un peu, qui est plus timide que la comédienne, qui est absolument effrontée. Mais elle aime les gens, puis elle aime s'occuper de cette femme-là parce qu'elle devine le secret. C'est ce que j'ai aimé. Elle a deviné qu'il y avait un secret au fond de cette comédienne-là. Et puis, elle a voulu le percer. Elle était prête à même se faire mal, se blesser elle-même pour pouvoir sauver la comédienne. Et je l'aimais beaucoup. J'avais beaucoup, beaucoup d'affection. Même pour la petite effrontée, je l'aimais quand même. Et pour vous, Eric? Oui, en fait, dans d'autres entretiens, on m'a dit « Ah, ben, c'est évident, le capitaine Boudu, c'est vous. » Je dis « Ah, pas forcément, non. Le capitaine Boudu, c'est un peu un personnage secondaire dans le roman, c'est une figure parentale. Mais vraiment, Félix, c'est moi, plus petit, avec cette volonté de décoder les alphabets. Donc, je ne savais pas ce que c'était la linguistique, mais ce qui m'intéressait, c'était les langues. Pas forcément de les apprendre et de les parler, mais de décoder les alphabets, tout ce côté, en fait, structurel, formaliste. Et puis, en fait, c'est des années plus tard à l'université où je me suis rendu compte, ah, c'est un sujet, on peut l'étudier. Donc, vraiment, Félix, c'est un peu moi. Puis, c'est la personne qui se cherche beaucoup, comme je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de créatif? Est-ce que ça va être le dessin? Est-ce que ça va être, je ne sais pas moi, la danse, comme ses autres amis là, sur la station spatiale? Non, il se découvre, en fait, cet intérêt pour écrire, parce qu'on se rend compte à la fin du livre que c'est lui qui a écrit le livre. Donc, en fait, le personnage à qui je m'associe, c'est vraiment Félix. D'accord. Et je vais revenir aussi sur l'aspect visuel, mais je trouvais que c'était vraiment intéressant parce que, Daniel, vous, vous êtes inspiré des tableaux. Vous avez raconté tout à l'heure que Suzon de Mers, qui a donc peint ces tableaux, vous a encouragé à continuer. Mais quelle a été, elle, sa réaction lorsqu'elle a lu l'intégralité du roman et puis qu'elle a juxtaposé avec les tableaux qu'elle avait peints? Si vous la connaissiez, Suzon de Mers, vous pourriez imaginer une personne lumineuse qui s'excite facilement, qui rit fort, qui est engageante. C'est vraiment. Puis, elle a été comédienne elle-même longtemps. Elle est peintre, mais elle a joué beaucoup, beaucoup au théâtre. Et puis, donc, elle a comme mis la table pour moi parce que. En ayant une couturière et une comédienne, je retombais dans mon monde de théâtre. Et puis, elle était tellement excitée quand elle a lu le livre, là, m'a envoyé un message incroyable. J'aurais aimé ça que les médias s'en emparent puis le disent haut et fort, parce qu'elle était très contente. Mais elle était un peu biaisée, hein, évidemment, c'était ses toiles. Mais oui, mais bon, quand même, c'est aussi deux créations en parallèle qui se retrouvent, donc c'est intéressant. Et dans votre cas, Eric, je vais d'ailleurs remontrer les couvertures. Donc ça, c'était de nouveau la couverture du livre de Daniel avec un beau tableau. Et dans votre cas, Eric, vous avez travaillé avec un artiste visuel. Il y a des belles illustrations aussi dans ce livre. Et à quel point est-ce que ces illustrations se rapprochent de votre rêve initial ou même de l'image que vous étiez faite de l'univers que vous avez créé? En fait, à 100%, tout à fait. Gino Danga, qui est l'illustrateur, est un ami à moi. Et en fait, quand j'ai proposé le projet, les dessins sont venus avec. Donc, on a vraiment travaillé très fort au début ensemble. Puis, si j'ai bien compris, c'est mon seul roman jeunesse, mais souvent, ça ne se fait pas comme ça. On propose un livre et puis là, il y a un illustrateur qui est proposé par la maison d'édition. Donc, on travaille ensemble, mais après. Donc là, ça s'est fait différemment. Moi, je suis arrivé puis j'ai insisté pour avoir mon illustrateur parce que
on avait commencé ce projet, on avait eu une conversation un jour dans la rue, on a lancé ça ensemble. Et donc, ça a été vraiment très, très proche, la vision qu'on avait à la fois du texte, l'emplacement des dessins dans le livre, etc. Ça a été très calculé. Et vraiment, les illustrations sont magnifiques, la couverture aussi est magnifique. Je suis tellement heureux d'avoir travaillé avec lui. Et maintenant, comme on a reçu là, le prix, on est vraiment très encouragés pour continuer, peut-être faire la suite ensemble. Une belle fusion de visuel et d'écriture. Alors maintenant, quand on voit et qu'on reçoit des prix comme ça, je pense qu'en tant que lecteur, on ne se rend pas compte de tout le travail qui se cache en arrière. J'aimerais bien savoir combien de temps s'est écoulé entre la naissance de l'idée et la publication de vos livres. Peut-être, Eric, vous voulez commencer? Oui, en fait, c'est toujours assez long. Je pense que le roman, je l'ai écrit, terminé, en hiver 2018. Donc, en général, il s'écoule souvent 2-3 ans avant la publication parce qu'il y a beaucoup de travail de révision. Dans ce cas-là, mon roman, la première version était quand même assez longue. J'ai tendance à toujours écrire trop long, alors il faut couper. Il a fallu couper beaucoup. Donc, il se passe souvent 2 ou 3 ans entre la première version et la publication. C'est toujours assez lent. Mais ça, c'est normal et c'est pour ça que j'écris tout le temps, parce que j'essaie d'avoir un livre d'avance pour justement combler le temps et s'assurer que ça sort quand même peut-être une fois tous les 2 ans, c'est-à-dire. Bon, je vais revenir sur l'aspect de la discipline et votre rythme de travail dans quelques minutes, mais Daniel, vous, combien de temps s'est écoulé entre la naissance de l'idée et la publication de vos livres? Je pense un an et demi, à peu près. Oui, j'ai commencé en janvier 2019, puis je l'ai terminé l'année suivante, un an après, puis la maison d'édition avait déjà accepté de le publier, les éditions David. Et puis, comme je vous disais, moi, je ne suis pas tout, très, très, très disciplinée, mais avec Susan, je n'ai pas eu le choix parce qu'elle, elle est disciplinée. Puis à 9h30, tous les matins, elle descend dans son atelier puis elle travaille ses toiles. Alors, elle m'a dit, ben, tu devrais faire comme moi à 9h30. Mais à 9h30, moi, je mangeais ma toast au beurre de peanut. On n'a pas eu le temps d'aller écrire. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'appelait, elle me téléphonait à 9h20. Elle disait, es-tu prête là? Tu vas-tu commencer? Il te reste 10 minutes. Alors là, je me suis disciplinée un peu plus parce que j'étais un peu poussée par elle. Mais je suis bien contente de l'avoir fait. Et Eric, tout à l'heure, vous mentionniez que vous commencez directement quand vous êtes encore à moitié réveillé. Est-ce que c'est vraiment votre discipline de travail? Vous le faites systématiquement tous les jours? Ça dépend des années. Il y a des années où je me lève très tôt, surtout l'été, pas trop l'hiver. Cette année, ça n'a pas l'air trop de fonctionner, mais je pense que c'est à cause de la pandémie. On est vraiment dans une situation spéciale. Mais oui, quand ça fonctionne, oui, je me lève très tôt le matin, puis je travaille très tôt, ce qui me permet de faire autre chose l'après-midi, de lire ou etc., puis de prendre le lendemain pour réviser. Moi, je ne crois pas du tout à l'inspiration, alors je me force à écrire. C'est pour ça que je m'assois devant mon ordinateur, je commence. Peu importe l'inspiration, parfois j'en ai aucune, parfois j'ai aucune envie de travailler. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris au fil des années. Ça vient en travaillant, en s'attachant pratiquement à son bureau. Et puis, si on a travaillé, je ne sais pas, 4-5 heures d'affilée, c'est suffisant. On peut aller faire autre chose, une promenade avec son chien ou lire un roman ou regarder un peu la télé. Donc, souvent, c'est ça. Je me force à travailler et je me rends compte que ce n'est pas si mal le lendemain. C'est sûr qu'il y a un gros travail de révision. C'est peut-être pour ça que ça prend longtemps pour moi avant de publier. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Ouais. Et alors, quand est-ce qu'on sait... que c'est le moment qu'on est prêt à envoyer à une maison d'édition. Parce que je veux dire, des révisions, il pourrait y en avoir tout le temps, mais c'est une décision qu'on prend. Comment est-ce que vous la prenez, cette décision-là? Mais moi, je suis avec les éditions David depuis un bon moment. Donc, quand j'ai un manuscrit, je leur envoie le début, peut-être 3-4 chapitres, puis là, je vois si vraiment il y a de l'intérêt. Ça marche souvent bien. Ça a mal démarré au début parce que j'avais des projets, je travaillais encore avec des artistes visuels, donc je voulais avoir un beau format de livre pour que mettre les toiles en évidence. Et puis, quand j'ai soumis ça aux éditions David, à Yvon Malherbe en particulier, il m'a dit « Oh non, ça va coûter trop cher. » Puis finalement, il a accepté. Puis après ça, ben, ça a toujours bien marché parce que je voulais avoir des livres
pour mettre les artistes visuels à l'honneur aussi, pas juste l'écrivain. J'ai encore deux questions pour vous. La prochaine, c'est une fois qu'on a publié, comment est-ce qu'on sent et en quoi est-ce que le livre et l'histoire vous appartient encore? Éric, est-ce que vous voulez commencer? Pardon, c'était quoi la question? Excusez-moi, je n'ai pas... Une fois que le livre est publié, en quoi est-ce que l'histoire vous appartient encore? Alors, je pense qu'une fois que le livre est publié, ça n'appartient plus à l'écrivain. C'est quelque chose que j'ai découvert. Et en fait, c'est ça qui est intéressant parce que quand on a des entretiens, quand on va vers le public, quand on va dans les salons, etc., les gens viennent un petit peu vers vous, vous racontent des choses sur le livre que moi, je n'ai pas forcément mises dedans. Ce n'était pas mon intention, par exemple. Mais c'est tout à fait OK. Je pense que le lecteur a tout un univers par rapport à ça. Et ça, c'est fantastique. C'est justement l'intérêt de faire ça. Le livre ne vous appartient vraiment plus. Et je pense que la question d'avant, c'était vraiment une bonne question parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais quand l'envoyer. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut se lancer. Et puis, effectivement, on pourrait continuer. C'est un peu comme une peinture à l'huile. On pourrait continuer pendant des années. Parfois, trop révisé, on pourrait gâcher une peinture à l'huile comme ça, hein, à force de travailler dessus. Donc, il faut savoir s'arrêter, effectivement. Puis, il faut savoir faire confiance à son éditeur. Quand c'est fini, c'est fini. Et puis, le lecteur, après, il est là pour faire le travail. Et puis, si on a fait un bon travail, en général, le lecteur va apprécier puis lire des choses que nous, on n'a pas forcément mis dedans ou compris au départ, peut-être. Donc, oui. Daniel, est-ce que vous avez eu la même expérience que finalement? Oui, je suis d'accord avec Éric. Franchement, c'est comme ça pour moi. Quand le livre est sorti, il ne nous appartient plus du tout. Puis, c'est vrai ce que tu dis, Éric, quand tu dis que les gens voient des choses dans le livre auxquelles toi, tu n'as même pas pensé. Mm-hmm. Ça, je trouve ça tellement intéressant quand les gens nous font des commentaires et on dit « Ah, j'ai pas vu ça comme ça, moi. » Mais c'est vrai, il nous appartient plus, puis il faut laisser aller. Mais moi, j'ai peur. À chaque fois que j'ai un livre qui paraît, j'ai la crainte que les gens l'aiment pas, que j'ai une mauvaise critique. C'est fou faire ça. Faites pas ça. Écrivez pas. Ben là, vous avez gagné un prix, donc, juste pour vous le rappeler. Et alors, donc, si vous aviez un dernier mot maintenant, ou même peut-être des remerciements, qu'est-ce que ce serait et à qui est-ce que vous les donneriez? Oui, ben, j'aimerais remercier évidemment les éditions David, Yvon Mallette, Marc Hennequin, Marc Pelletier puis Véronique Sylvain qui ont toujours été très bons pour moi, m'ont appuyé tout le temps, partout, toujours. Puis j'aimerais remercier aussi les artistes avec qui au cours de ma carrière j'ai travaillé. Donc il y a ma fille Virginie Bédard et Christian Canel, le BDiste bien connu. Cécile Boucher avec qui j'ai fait mes premiers pas dans le monde de la littéraire. Et puis évidemment Suzanne de Merce, là. Peut-être que j'en trouverai un autre pour le prochain. Éric. Oui, moi j'aimerais remercier Ontario Créatif, les organisateurs du prix Trillium, au jury. Merci aux éditions L'Interligne et plus particulièrement à Martine Batagnan, l'éditrice qui m'a accompagnée dans la révision du Capitaine Boudu. Elle a eu l'excellente idée d'ajouter un glossaire à la fin. C'était vraiment une super idée. Merci à Lisanne Rowe-Leblanc, qui est agent de communication à L'Interligne. Elle fait un travail super. Merci à Gino Danga, qui est mon ami et illustrateur du Capitaine Boudu et des Enfants de la Cédille. Maintenant, Gino, je crois qu'il va falloir faire une suite. Es-tu partant? Ça, c'est une question pour lui, s'il regarde. Merci à Myriam Daly, qui partage avec moi ma passion pour la linguistique et la littérature. Et pour finir, merci à Florian Grandena, mon conjoint, dont le soutien quotidien est si important pour moi. Ceci conclut donc notre événement conversation avec les lauréats du prix Trillium. Merci beaucoup à Éric et à Daniel. Merci beaucoup pour cette conversation. Et encore une fois, félicitations à vous deux. Pleurez, fêtez, faites ce que vous avez à faire. Merci à toutes les personnes qui se sont jointes à nous aujourd'hui. Et n'oubliez pas d'aller acheter ces livres chez votre libraire indépendant. De même que ceux écrits par tous les finalistes du prix Trillium. Nous afficherons dans la session de clavardage un lien vers une carte Google où vous pourrez trouver la librairie la plus proche de chez vous. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les auteurs, vous pouvez regarder de courtes vidéos sur la chaîne YouTube d'Ontario Créatif. Est-ce que je peux dire... Oui, vas-y. Je voudrais dire merci à mon cher conjoint Jean Cloutier qui il a lu le livre, je ne sais pas combien de fois, 4 fois,
Moi, je l'ai jamais lu ce livre-là, mais lui, il l'a lu 4 fois, il m'a donné des conseils, il m'a toujours appuyé, il est toujours là avec moi pour pleurer ou pour rire. Merci beaucoup, Daniel et Eric. Nous allons vous quitter en diffusant une vidéo rétrospective réalisée pour le 30e anniversaire du prix Trillium en 2017. Et nous espérons retrouver Eric et Daniel dans la prochaine édition de cette vidéo. Et c'est une vidéo, on l'espère, qui vous donnera une idée de la richesse du talent littéraire en Ontario et qui sera pour vous une source d'inspiration, on l'espère. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Lisez souvent, lisez beaucoup et à très bientôt. He says I can say a lot of things. Quel immense privilège de faire partie de cette belle brochette d'auteurs ce soir. On célèbre 30 ans du prix Trillium. Looking at this poster here tonight, I feel again kind of in awe of the experience and the company that I'm among. But the special thing about the Trillium, of course, is that it celebrates literature from here, from this place where we live. It's nice to get a local award because it's like your, you know, your homeland saying you belong here. On ne vit pas dans un pays où la peur règne. On vit pas dans un pays de guerre. On est libre de choisir les thèmes sur lesquels on veut travailler. Et moi, je me sens très privilégié de pouvoir vivre et écrire dans mon Ontario français. Ce qu'il faut, c'est vouloir écrire. La reconnaissance viendra après. I think you have to convince yourself you're an artist, and then you have to convince everyone else. It's always the same advice, and the same advice is keep writing. Set yourself a quota, sit down, do it. Work at it the way you work at a job. Travailler, 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 lisez, lisez, étudiez, étudiez. Or just take a nap. Taking a nap sometimes is the very best thing for a writer. I started writing it on a boat in the Arctic, and it's about how you might murder somebody on a boat in the Arctic. How to murder somebody and get away with it. Souvent, il y a des gens qui me disent, Marguerite, tu écris encore? And I say to myself, merde alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Just rolled over on top of their lovers and fully clothed, humped away. And the CBC radio broadcast this story last year, and it was interesting to see how they edited that passage. Most of the poems I wrote about parenthood are poems about terror. I hear very sophisticated people say, should we have so many awards? Well, let me tell you. If we who write and spend the many hours trying to create something out of nothing, if you take one award away, I will kill. Avant de remporter le prix Trillium, c'est sûr, il n'y avait pas de prix vraiment beaucoup en Ontario. Et en fait, il y en avait, je pense qu'il y en avait un seul ici dans la région. Le prix a évolué pour inclure les auteurs francophones il y a 22 ans. Et puis, à un moment donné, le prix évolue aussi pour inclure les auteurs de livres jeunesse. Et que c'est vraiment pas juste un prix littéraire, c'est un prix pour les auteurs. OMDC, I don't think you have the vaguest idea of what you're still doing for young poets. I was very glad to win the Trillium. It's a great pleasure to be associated with the Trillium. I always thought it was an absolute full-blown, honest-to-God miracle, pennies from heaven, when in fact it happened to me. That's the way I felt about it. Je voudrais signaler que un des multiples avantages du prix Trillium a été qu'il m'a fait découvrir plein d'amis et qu'il m'amène avec beaucoup de gens que j'admire et qui me stimulent. I never thought in my life that I would be recognized as a writer. And to be given an award for that
was very encouraging because it touched my heart. I mean, it touched me in a very profound way because they understood what I was talking about. The Trillium Award, in my view at least, is one of the most important one, if not the most important one in Canada. Le Prix Trillium, c'est un parfum différent dans chaque livre. C'est la vie dans des enfants de papier. There are so many good writers in this country. When I began, there were fewer of us. And, well, there was some doubt as there could be such a thing. And we got together and we proved that that was wrong. There could indeed be Canadian writers, and this room fills that to such perfection. I'm so proud of you all. Bon anniversaire, Trillium, 30 ans, c'est quelque chose. And thank you for creating a conversation around literary culture. Et je vous souhaite donc une longévité, que ça continue, parce que nous en avons tous besoin, et merci du fond du cœur. Le Prix Trillium, c'est l'incarnation de la diversité dans notre société. The important thing is that you could say for the rest of your life that you have won the Trillium.